nom de Dieu, il y a du monde. Excusez-moi, la première fois que je me suis pas... Parce qu'en fait, je vous avais pas du tout... Non, c'est pour ça que je suis un petit peu comme ça. Non, en fait, j'allais au... pour jeter mon... Mais bon, finalement, je vais le garder. Par contre, je vais peut-être le poser. Oui, je vais le poser. Nom de Dieu, il y a du monde. Ceci dit, je suis ravie de faire votre connaissance, mais ça fout un coup. Parce que j'adore les applaudissements, mais c'est la première fois que je suis accueillie aussi chaleureusement dans un nouvel appartement par mes nouveaux voisins. Bon, voilà. C'est une coutume sympa. Oui, parce qu'en fait, je suis la nouvelle locataire de cet appartement et j'espère vraiment que malgré le vis-à-vis un tout petit peu proche, il faut bien le reconnaître, hein, on va bien s'entendre. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps pour papoter avec vous parce que ça ne se voit peut-être pas, mais ce soir, je déménage, mais surtout, je pends ma crémaillère et mes amis arrivent dans pas longtemps. Je me rends bien compte que je suis pas tout à fait prête, que je suis même pas prête du tout. Et j'ai mis un petit mot en bas de l'immeuble. Si jamais on fait trop de bruit, n'hésitez pas, montez boire un verre avec nous. Vous serez bien reçus. Surtout si vous êtes célibataire, grand, blond, aux yeux bleus. Voilà, comme ça, ça permet de me situer dans l'immeuble et dans ma vie privée. Ah, excusez-moi. Petit, viens là. Attends. Viens là. Viens voir maman. Si j'en ai plus. Allô? Papa? Ben oui, je suis chez moi. Non, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Oui, tout va bien depuis que tu m'as appelé. C'était quand? Ben écoute, j'ai la ligne depuis une heure, tu m'as déjà appelé 10 fois. Oui, je m'en sors. Tout est rangé? Ah ben non, parce que si tu veux, je passe un tout petit peu mon temps au téléphone. Comment ça, avec qui? Ben avec toi, papa, ça fait 10 fois que tu m'appelles. Comment ça peut pas être toi? Papa, je reconnais ta voix quand même. Bon, papa, tu m'en veux pas, mais là, il faut que je raccroche. Non. Tu sais ce qu'on va faire? C'est moi qui te rappelle. Pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi. Bon, Papounet, je t'embrasse. Je t'embrasse, Papounet. Oui, moi aussi. Moi aussi. Papounet, je raccroche. Il est adorable, hein, mais avec mes deux frangines, si on l'a pas au téléphone au moins 10 fois par jour, il pense tout de suite au pire. Mais pas du petit pire, du gros pire. Ah oui, on a tout de suite été enlevé par un groupe de terroristes, bien sûr. Ou bouffé par une meute de pitbulls, évidemment. Ou en tout cas, on est toutes les trois en train de se faire violer gentiment par une équipe de basketteurs. À mon avis, ce soir, il est en manque. Il n'a pas pu avoir mes deux frangines. Maman dort déjà devant la télé, il a eu que moi. C'est ça, il est en manque. C'est mignon, mais comment dire? Il y a des fois, c'est un tout petit peu prenant. Bon, allez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre la table, m'occuper du dîner et m'habiller. Donc, il nous faut nappe, vaisselle et la petite robe que je veux mettre ce soir, qui doit être dans un carton qu'il faut que je retrouve. Fastoche. Oui, parce que je vais quand même pas recevoir mes invités en pou-pou-pidou. Il y aurait bien une solution pour aller plus vite. Je vais essayer un truc. Et hop, les cartons, rangez-vous. Il n'y a vraiment qu'à la télé que ça marche. Bon, l'idéal, ce serait qu'il y en ait un parmi vous qui soit assez sympa pour venir me donner un petit coup de main. Même s'il n'est pas grand, blond, aux yeux bleus, aucune importance. Hein, pour pousser un carton, j'ai pas besoin de Leonardo DiCaprio. Vous, monsieur, vous avez l'air sympa comme voisin. C'est vrai, il a l'air sympa comme voisin. Ça vous ennuie de monter 2 secondes? Venez, je vous en prie. C'est important d'avoir un voisinage sympa. Hein. Oh là, je suis faux. Hein. C'est quoi votre prénom? C'est Coco. Eh ben Coco, on va s'y mettre tout de suite. Vous allez me prendre celui-là, puis vous allez me le poser là, s'il vous plaît. Voilà, super. Voilà, on va le mettre par terre. Là, ce sera le plus simple, parce qu'en lévitation, ça va pas nous aider. Voilà. Hop là. Est-ce que je peux vous demander la même chose pour celui-là, Coco?
Non, pas dessus. Ça y est, à mon âge, on a ces petites manies. On va y arriver. Et dites, Coco, pendant que vous êtes là, histoire que vous ne soyez pas monté pour rien, ça vous ennuie de prendre ça et de le poser dessus. Voilà. C'est encore mieux que Joséphine. On va dire dans l'autre sens, monsieur. Voilà. Impec. Oh bah, alors là, vraiment, Coco, je ne sais pas comment vous remercier. Oui, attendez, qu'est-ce que je pourrais vous donner pour vous remercier? Rien, j'ai que des cartons, je ne vais pas vous donner un carton. Bah écoutez, non, prenez l'escalier pour aller vous rasseoir. Merci, Coco. Voilà. Ça va aller? Si je peux faire quelque chose pour vous en échange, n'hésitez pas. Mais pas ce soir, parce que je suis un tout petit peu à la bourre. Bon, en tout cas, voilà une bonne chose de faite. C'est encore pas tout à fait rangé. C'est même pas rangé du tout. C'est même carrément le bordel. Pour mon dîner de ce soir, sympa. Normalement, je devrais être installée ici depuis hier. Et qui c'est qui m'a foutu dedans? Mes déménageurs. Les frères Lumière. Vous retenez bien ce nom et vous me promettez de ne jamais les appeler. Les frères Lumière, 7 jours sur 7, déménagés en un éclair. Pour aller du 15e au 9e, 3 km à tout casser. J'avais pas besoin d'un éclair, j'avais juste besoin d'un camion. Bon, déjà, ça a mal commencé parce qu'ils sont arrivés en retard, mais très en retard. Je peux vous dire, je me suis pas gênée, je leur ai bien dit ce que je pensais aux quatre gros costauds, là. Eh, c'est pas parce que vous appelez les frères Lumière que vous allez me faire votre cinéma. J'étais assez fière de ma formule. Le plus gros, il m'a bien mouché. C'est pas parce que vous appelez Minimati que vous allez nous faire chier. J'ai pas bien compris le jeu de mots, mais j'ai bien compris que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Hein. Bon, je vous continue la suite de mes aventures déménageuses. On fait tous les cartons et moi je pars devant pour venir où? Ici, les accueillir. Donc hier, je les attendais ici à 17h. Ils sont bien arrivés ici à 17h, précise, mais pas hier, aujourd'hui. Ça peut contrarier. Donc hier, je me suis retrouvée toute seule dans cet appartement, pendant que mes meubles dans un camion de déménagement visitaient Paris. À 20h, toujours aucune nouvelle des frères Loupiote. En plus, je pouvais pas quitter l'appart au cas où ils arriveraient. Je ne vous raconte pas la soirée et la nuit que j'ai passée, toute seule dans un appartement vide. Non, pas toute seule, je suis un tout petit peu menteuse. J'avais mon sac à main. On a bien discuté, tous les deux. À un moment, je l'ai ouvert. J'ai bien vu que dedans, il n'y avait pas de télé, pas de micro-ondes, pas de lit. Je m'y attendais un tout petit peu, mais ça m'a quand même foutu un coup. Hein. Mais bon, je me suis dit, je viens d'arriver. Mon téléphone ne sera branché que demain. Mon portable ne passe pas. Je ne reverrai peut-être jamais mes cartons, mais pas question de déprimer. Je vais passer une bonne soirée. D'abord, histoire de me mettre une bonne ambiance, je me suis offert un petit apéritif. Coup de peau, l'eau était branchée. J'ai pris le capuchon de mon stylo, mon blanc. Je l'ai rempli à ras-bord et j'ai bu mon petit verre. Enfin, mon petit capuchon. J'ai trinqué toute seule à mon nouvel appartement. Comme j'avais des tic-tacs, je les ai mis en biscuit apéro, ça m'a bien calé. Après, j'ai fait un peu de lecture. Enfin, un peu, beaucoup. Gala, je l'ai lu 22 fois. Sur le showbiz, dans la semaine du 31 janvier au 6 février 2002, vous pouvez tout me demander, je suis incollable. Vers 2h du matin, comme les nazes de chez Luminaire étaient toujours pas là, je me suis dit, je vais pouvoir dîner tranquille, je serai pas dérangée pendant mon repas. Moi qui adore la cuisine légère, sans sauce, sans gras, légère quoi, je me suis fait un petit 40 bars nature. Comme ça, sans rien, je me suis régalée. Honnêtement, j'avais encore un tout petit peu faim. Alors j'ai regardé ce que j'avais au fond de mon sac. J'ai trouvé que des Kleenex. Je sais pas vous, mais moi, le papier en dessert, je trouve ça bourratif. Après le dîner, j'ai piqué un fou rire. Je sais plus qui c'est qui a raconté une blague. Si, je sais, bien sûr, c'est moi, j'étais toute seule. Je me suis raconté la blague du carambar. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qu'en profite. Alors,
Qu'est-ce que c'est ce numéro de téléphone? Je sais pas. Alors, tout le monde est prêt? Toto demande à sa mère. Maman, pourquoi la Sainte Vierge, sur toutes les photos qu'on voit, elle fait toujours la tête? Sa maman lui répond, parce qu'elle voulait une fille. Ils sont bien ces placards en barre, non? Je vais peut-être la garder pour une soirée. Je pense que c'est vers 8h ce matin que j'ai dû m'endormir sur le carrelage de ma cuisine, après m'être servi mon 253e apéro. Enfin, mon 253e capuchon d'eau. Eh ben, c'est pas pour me vanter, mais cet appartement doit avoir de très bonnes ondes parce que j'ai très bien dormi. Très, très bien dormi. C'est le réveil qui a été plus dur. J'avais complètement oublié que j'avais laissé un double des clés au chef des lampadaires. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu un sacré choc. Je savais plus du tout où j'étais. Je me suis vue allongée sur un carrelage de cuisine avec quatre tranches de ketchup au-dessus de moi. J'ai hurlé. Je leur ai bien sûr demandé tout de suite ce qui s'était passé. Je n'ai rien compris à leurs explications. De toute façon, comme j'avais ma crémaillère, j'avais pas le temps de discuter pendant une heure. Alors j'ai abrégé. J'ai surtout baissé d'un ton quand le plus gros m'a dit « Si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à monter vos meubles toute seule. » Ça, pour être pas contente, j'étais pas contente. J'ai tout de suite pensé à mon armoire normande, en chêne massif. La lever toute seule, impossible. La laisser dans leur camion, pas question. Alors j'ai encore baissé d'un ton. Ça m'a recoûté 100 balles. Enfin, 100 euros. J'avais pas ma calculette. Et voilà le travail. C'est quoi ce numéro de téléphone? C'est même pas mon écriture en plus. Bon, allez, au boulot. Allez, il faut que je trouve... Où est-ce qu'ils vont m'avoir foutu mes assiettes? Oui, j'ai rien marqué sur les cartons. J'ai bien vu que le premier carton qu'ils embarquaient, il y avait tous les stylos dedans. Mais vu comme ils étaient gracieux, j'ai... Et j'ai surtout... Ça, vous pouvez pas comprendre, je vous expliquerai, mais j'ai bien... En tout cas, j'espère qu'ils m'ont rien cassé. Ah si, ils m'ont cassé un truc. Un cadeau que m'avaient fait des amis intimes. Un vase. Enfin, je crois que c'était un vase, parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. La partie supérieure, c'était un peu comme une tête de poisson, je dirais, mais un poisson marteau. Et alors le corps, enfin le corps, le truc qui était en dessous du... J'ai jamais su si c'était un phacochère ou un sumo. C'est rare, un sumo avec une tête de poisson marteau, faut déjà tomber dessus, hein. Et alors sur la couleur, ils m'avaient pas loupé mes copains, parce que c'était jaune fluo. Mais soutenu le fluo, hein. C'est bien simple, ce truc-là, on pouvait le regarder qu'avec des lunettes de soleil. Et alors, c'est surtout que je savais pas où le foutre, parce que c'était pas comme ça. Non, c'était comme ça, à ma taille, du sur-mesure. À mon avis, mes copains pensaient que j'allais habiter dedans. Je vous jure, là, on se rend pas bien compte, je vais essayer de vous le... Alors, donc la tête, comme ça, et le corps. Vous voyez ça sur une table de salon, vous? Moi qui aime que les petits bouquets ronds, sympa, j'étais servie. Hein. Si, je pouvais mettre des trucs dedans, bien sûr. Je pouvais mettre des branches de platane. C'est joli, le platane dans un salon. Ou des petits bouquets de violettes de 1m60 de haut. Mais enfin, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Hein. Ou encore, si, des coups de girafe séchés. Mais enfin, les girafes sur Paris, ça fait un moment que j'en ai pas croisé. De toute façon, mes déménageurs me l'ont cassé et je l'ai très bien pris. Je l'ai même très, très, très bien pris. C'est moi qui leur ai demandé de me le... C'est quoi ce numéro de téléphone? Ça m'énerve. Je vais appeler, sinon ça va me tracasser, puis ça va énerver tout le monde. 01 49 88 97 90. Ça sonne. Déjà, c'est quelqu'un de bien qui paye sa note. Allô, oui, bonjour, c'est Mimi. Mimi, oui. Mimi Mati. Non, pas Matisse, Mati. M comme Mati, A comme Mati, T comme T, H comme I et Y comme I, mais grec. Y. Voilà. Ah, vous voyez pas du tout qui je suis? Alors, je vais vous dire, c'est très embêtant parce que moi non plus, je vois pas du tout qui vous êtes.
Non, c'est pas une blague. Je viens de trouver votre numéro de téléphone sur un bout de papier et je me rends compte en entendant votre voix que ça ne me dit rien du tout. Non, non, j'aurais jamais dû appeler. Non, c'est pas un jeu pour la télé ni pour la radio. Attendez, je me demande si on n'aurait pas des amis en commun. Ça vous ennuierait de me donner le nom de quelques-uns de vos amis? Oui, ok, je sens bien que ça vous ennuie. Non. Voyez qu'on y arrive. Elle a une idée, la dame. Oui, j'ai un 4x4 noir, oui. Un accrochage en me garant. Un accrochage en me garant. Tout l'avant de votre voiture. Vous auriez glissé un petit papier sur mon pare-brise? Ah non, c'est pas moi, ça. Non, c'est pas moi. Une polo jaune, ça ne me dit rien du tout. Mais promis, si j'en vois une, je vous rappelle. Au revoir, madame. Bye, bye. Ça va. Que ceux qui n'ont jamais effleuré un pare-choc de polo jaune devant les galeries Lafayette lèvent le doigt. Allez, bon, hop, on s'y met. Je suis en train de penser que dans la vie, il y a des gens qui souffrent ou qui ont beaucoup souffert. Et pour s'en sortir, ces gens-là, ils ont besoin de faire souffrir les autres, de faire du mal. Il y a un type qui a dû beaucoup souffrir et ce soir, il a décidé de s'en prendre à moi. C'est le mec qui a inventé ce scotch de merde qu'on met une heure à décoller. Parce que c'est pas possible, ce gars-là, il veut pas qu'on les ouvre, nos cartons. Pourquoi il veut pas qu'on récupère nos affaires? Ça vient d'où? Ça vient de l'enfance? On peut quand même pas se faire greffer des couteaux suisses à chaque doigt chaque fois qu'on déménage? La boîte à out, out, la boîte à titi, la boîte à out. Noël 97, cadeau de papa. Noël 98, j'ai eu des serre-joints. 99, un jeu complet de clé à pipe. Et c'est pas drôle. L'année dernière, j'ai eu une fraiseuse. Normalement, si tout va bien, cette année, j'ai droit à mon échafaudage. Et c'est pas inintéressant comme trousseau, faut juste que je tombe sur un mari avec une boîte à couture et une machine à tricoter. Parce que faire un pull à la fraiseuse... Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh! Mes théières. J'ai une très jolie collection de théières. En fait, au départ, j'en avais deux, et maintenant, j'en ai 76. Faites gaffe, si vous avez le malheur d'avoir deux trucs pareils, les gens pensent que vous faites une collection. Et 76. Bon, c'est vrai que ça prend de la place, mais d'un autre côté, c'est pratique. On sonne à ma porte à l'heure du thé, c'est un quart d'anglais, je suis équipée. Et par contre, le coup de la collection, ça marche pas avec tout. Hein. Après l'été hier, j'ai essayé avec les montres Cartier. J'en avais deux. 5 ans après, j'ai beau les recompter, j'en ai toujours deux. Ça a pas bien pris, cette collecte. Allez, mets l'assiette ou ma robe. Merci, papa. Alors, nappe, tête d'oreiller, les serviettes, ils ont dû me les coller avec les draps, logique. Ah, ma pépette, c'est mon chien. Oh, bah, dis donc, tu t'es enfermé dans le carton. Oh, bah, ma pépette. Oh, bah. Mais non, c'est pas mon chien. C'est pas mon chien, c'est mon tapis. Alors, mon tapis. Oh, bah, tiens, je vais le mettre là. Mon beau tapis. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Non, je vais le mettre plutôt là. Voilà. La pépette. Et ben voilà. Ça fait pas beaucoup avancer mon dîner, mais ça fait tout de suite plus rien du tout. Si, ça fait tapis posé devant les cartons, avec rien à bouffer, et 3 personnes qui arrivent dans pas longtemps. Allez, hop, on continue. Si je reconnaissais pas le motif, je dirais que c'est une serpillière géante. Bon, ben la nappe, on va la mettre là. De toute façon, c'est pas pour la nappe qu'ils viennent. Je sais même pas pourquoi ils viennent d'ailleurs, parce que rien va être prêt. Oh la vache, je les retiens les 4 malabars. Quand je vois l'état de ma nappe, j'ai un tout petit peu peur pour ma robe. Y a pas quelqu'un qui aurait un fer? Alors ça, venir au théâtre sans son fer à repasser.
faire un très mauvais jeu de mots, mais il faut le faire. Hein. Oh la vache, je peux vous dire que ça sent pas la soupline. Voir si c'est soupline, c'est parfum transpiration. Je sais d'où ça vient. C'est le petit brin qui a fait le carton des nappes. Alors lui, son t-shirt, il pouvait tenir debout tout seul. Au pif, c'est le cas de le dire, son t-shirt, il avait au moins 25 déménagements dans les dessous de bras. J'ai tout essayé pendant qu'on faisait les cartons. Les bougies, odeur forêt. Mais avec l'odeur de l'autre, là, ça couvrait pas. Dans la forêt, on aurait dit qu'il y avait des marcassins crevés. Alors, après, je me suis dit, odeur pour odeur, faut taper plus fort. Le jour de mon déménagement, j'avais pas à faire des sardines grillées. Il a pas dû comprendre, parce que je l'ai joué subtil. À un moment, je suis passée à côté de lui, et discrètement, je lui ai pchité toute ma bombe d'Airwick. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and gay, and I pretty. Ça a bien marché, une heure, une bonne heure. Mais après, il a repris le dessus, le petit bras. C'est pour ça que je suis partie avant eux, je pouvais plus tenir. En plus, il m'a coûté cher, lui, parce que quand ils sont arrivés ici, pour qu'il reste dans son camion, allez hop, encore 100 balles. Enfin, 100 euros, parce que j'avais toujours pas ma calculette. Bon, bah, de toute façon, la nappe, ça ira. Ou presque, attends. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, I'm pretty, I'm gay, and I'm pretty. Tonight, tonight won't be just any night. Ça sent drôlement bon. Je sais pas encore ce qu'on va manger, mais ça sent bon. Ah, allez, mes assiettes ou ma robe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, pas un mec qui débute le piano. Il est coincé là. On est mal, s'il a que deux notes sur son piano, on est mal, il va pas pouvoir jouer grand chose. Confirmation, c'est un mec qui débute. Coincé les doigts dedans. Bon, mauvaise nouvelle, il joue très mal du piano. Bonne nouvelle, il joue pas longtemps. Dis donc, s'il est marié, j'espère que sa femme joue pas du clairon. Pas sûr de tenir, moi. Je vois bien le genre de mec que ça peut être. Moderne, déjà. Si, moderne. La lettre à Élise, c'est moderne. Moi, je vois en boîte, dès qu'ils mettent la lettre à Élise, fa-fa, je fonce sur la piste. Papa, je suis sûre que c'est papa. Allô, papa? Gagné. Comment je savais que c'était toi? Je sais pas comment on appelle ça déjà. Une intuition. Oui, je suis essoufflée. Mais non, papa, personne ne me poursuit, je suis dans l'appartement. Qui c'est que tu veux qui me poursuive? Non, papa, non plus, personne ne veut m'attaquer, je suis toute seule. Papa, je te jure que personne ne veut me tuer, je suis pas en train de me cacher derrière les cartons. Arrête avec ça, tu vas finir par me filer la trouille. Hein. D'accord, s'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. De toute façon, je suis pas toute seule dans l'immeuble, j'ai un voisin. Non, je l'ai pas vu et je veux pas le voir, mais je l'entends. Bon, papounet, tu m'en veux pas, mais là, il faut que je raccroche. D'accord, si quelqu'un essaye de me tuer, je te rappelle. Papounet, je t'embrasse. Papounet, je raccroche. Entre le pianiste chauve, je sais pas pourquoi, je suis sûre qu'il est chauve, mon père qui se prend pour le chef de la CIA, et vous qui arrêtez pas de me parler, j'avance pas beaucoup sur mon dîner, hein, parce que moi j'ai encore du pain sur la planche, enfin surtout des cartons sur le plancher. Allez, j'en étais où? Hop là. Ah, des vêtements, peut-être trouver ma robe. Les recevoir en Marielle Guatchel, ça peut mettre une petite touche un peu courchevelloise. De l'autre côté, je me demande si c'est pas un peu chaud pour une crémaillère. Non, puis je vais être engoncée, moi.
Tu prends des trucs plus légers. Peut-être un peu léger pour un dîner, hein. D'un autre côté, avec des palmes, un masque et un tuba, et recevoir en commandant Cousteau, ça peut mettre une tête touche un peu aquatique. Je la sens pas trop, la crémaillère aquatique. J'ai quand même pas que des vêtements à thème dans ce carton. Oh, ma tenue de yoga. Ma tenue de yoga. Il y a 5 ans, j'ai pris des cours de yoga avec ma copine Manu. On y est allées toutes les deux pour le stress. Parce que elle vivait une grande histoire d'amour. Elle était excitée en permanence. Je vais bien, je suis heureuse, la vie est belle. Je vais bien, je suis heureuse, la vie est belle. Et tout son bonheur, ça la stressait. Et moi, tout son bonheur, ça me stressait. Parce que moi, sentimentalement, à cette époque-là, c'était beaucoup plus « Je vais mal, je suis malheureuse, la vie est moche. Je vais mal, je suis malheureuse, la vie est moche. » Pour tout vous dire, mon dernier fiancé m'avait quitté pour un genre mannequin. Il serait parti avec une grosse vieille pleine de boutons, ça m'aurait moins fait. Hein. Mais là, quoique même une grosse vieille pleine de boutons, ça m'aurait fait. Hein. Bon, enfin bref, je suis donc allée au yoga pour ne plus déprimer sur mon amoureux. Enfin, mon amoureux plus amoureux. Et ben, j'ai appris plein de choses utiles. Hein. Je sais dire bonjour au soleil. Je peux être le vent. La pluie, les grêlons. Non, je suis menteuse, j'ai jamais réussi à faire les grêlons. Je peux être un papillon avec une aile blessée. Et je peux me téléporter dans une pince à cheveux. Et ben, même téléporter dans ma pince à cheveux, j'arrêtais pas de déprimer. Hein, et de penser à mon amoureux plus amoureux. La prof me dit, il faut arrêter de l'idéaliser. Elle était un peu antillaise, la prof. Il faut le téléporter dans quelque chose qui vous dégoûte. Quelque chose qui me dégoûte, une méduse. Je l'ai vite fait téléporter dans une méduse. Non. Sauf que la méduse, quand je l'ai recroisée quelques temps après, elle me faisait toujours autant défaire. Ça marchait pas, son truc. À mon avis, la prof, elle se téléportait surtout dans la fumette. J'ai arrêté le yoga. Manu, elle a continué. Dernièrement, la prof lui a appris à se téléporter dans une limace. Vous la verrez ce soir, Manu, je l'ai invitée. Elle est facile à reconnaître. Elle parle beaucoup moins vite, elle rampe et elle bave. Non, je rigole. Enfin, j'espère, pour ma moquette. Alors, après le yoga, une autre copine, Stéphanie, m'a conseillé les plantes. Parce que elle soignait tout avec des tisanes. Pour mon chagrin d'amour, elle m'a conseillé la décoction de trèfle à 4 feuilles. Je peux vous dire que ça marche. Au moins pendant qu'on les cherche. J'ai passé tous mes dimanches à gratter le terreau au milieu des vaches. En 1 an, j'en ai trouvé 6. Ben, je vous garantis qu'une bonne décoction avec 6 trèfles à 4 feuilles, ça ne soigne rien du tout, mais ça vous dégoûte à vie de la campagne. Pour dormir, Stéphanie m'avait aussi conseillé la fleur d'oranger. Je lui ai dit, je suis d'accord si c'est pas moi qui les cueille. J'en ai bu des litres. Je dormais pas mieux, mais je sentais l'orange. Ce qui fait que quand j'étais en retard, les gens disaient, oh, une orange pressée. Non, elle est pas bonne. Oh non, oh non. Non, c'est pas fait. Bon, enfin bref, un jour j'en ai eu ras-le-bol de pas dormir, je suis descendue à la pharmacie. Moi qui n'ai jamais pris un somnifère de ma vie, je peux vous dire, je m'en rappellerai. J'ai pris 2 Lexomil. 2, pas 50, 2. Je les ai mis dans ma bouche, j'ai avalé mon verre d'eau, et c'est là que j'ai dû m'endormir. Parce que je me suis réveillée 22 heures après, j'avais toujours le verre collé comme ça. Je l'ai gardé 10 jours, la marque du verre. Alors après, une autre copine, Isabelle, me dit, pour oublier ta méduse, mets-toi au sport. Sitôt dit, sitôt fait. Je trouve un club de gym ouvert 7 jours sur 7, 9 500 francs pour l'année.
Non, ça fait pas trop cher, j'ai calculé, ça fait 26 francs par jour, c'est pas trop cher. Donc, je vais m'inscrire, ils me demandent une photo d'identité, j'en avais pas, je cours au photomaton le plus proche, j'y reviens, ils me font ma carte, je me dis, ça y est, je suis sportive. Je lève les yeux, je vois la vitrine, je me suis dit, allez hop, marquons le coup. J'ai tout acheté, l'équipement complet, le sac, les Reebok, les chaussettes, le jogging, le short, le t-shirt, la serviette éponge, les bandeaux pour la sueur. J'ai tout mis dans le sac, je l'ai jamais rouvert, ils m'ont jamais revu. 26 francs par jour, c'est pas cher. Eh ben, j'ai pas ce qu'il vous faut. Hein. Oh. Pour un abonnement d'un an, ça fait quand même 9500 balles. Moi, je dis que c'est du gâchis. Surtout que la gym, on peut la faire chez soi. Hein. C'est juste une question d'autodiscipline. Bon, moi, j'ai plus l'auto que la discipline, mais... quand je m'y mets... je vais pas bien, moi, je fais ma gym. En plus, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que ça n'a rien à voir avec ma crémaillère. Mais j'adore papoter avec vous. Bon, allez, on va quand même se remettre au boulot. Mes assiettes ou ma robe? Oula, il y a des morts là-dedans. Il y a quelques blessés, mais il y a deux survivants. Et on avance, ça y est, deux assiettes pour quatre. Si on mangera à tour de rôle, je ferai deux services. Non, je dois avoir des assiettes autre part, mais pour l'instant, je voudrais bien récupérer ma robe. Ce soir, on déménage. Ce soir, on déménage. What? Attends deux secondes, il va peut-être se moucher. Ben voilà, maintenant qu'il a les bronches bien dégagées, il va pouvoir se remettre au piano. Dis donc, ils me l'ont pas loupé, le voisin. Il y a des fois, on regrette pas d'être célibataire, parce qu'alors un mec comme ça, non merci. Je suis sûre qu'il est moche. Si, Brad Pitt, quand il se mouche, il fait pas autant de bruit. Hein. Mes casseroles. En les regardant, j'ai une petite émotion. Je me dis que ça fait un moment que j'y suis pas passée, moi, là. Excusez-moi, je vais vérifier un truc. J'en étais sûre. Ma robe. C'est machin petit brun, la truc Airwick. C'est lui qui a fait le carton des casseroles. Ah oh, ben non, ça va, la robe, elle a pas trop morflé. Bon, maintenant qu'on se connaît bien, je vais vous demander un petit service. Est-ce que le temps que je me change, vous pourriez sortir? Non, bougez pas, c'est idiot, je suis beaucoup moins nombreuse que vous, je vais me débrouiller. Par contre, vous m'en voulez pas si je vous abandonne deux minutes, hein. Profitez-en pour parler avec votre voisin, si vous le connaissez. Ou si vous le connaissez pas. Eh, si vous le connaissez pas, faites connaissance. C'est peut-être l'homme ou la femme de votre vie qui est assis à côté de vous. Il paraît que moins on s'y attend, plus on a de chance de le rencontrer. Et puis, si une idylle se noue ce soir, vous pourrez dire, on s'est rencontrés pendant que Mimi était toute nue. Je compte quand même sur vous pour préciser que c'était au théâtre, parce que sinon les gens vont se demander ce que je faisais toute nue avec vous. Hein. D'ailleurs, je suis plus toute nue. Alors... Ce soir, je serai la plus belle pour aller crémailler. Mailler, pour épater toutes celles que tu as aimées, aimées. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et qui m'ont foutu dans un carton sera pas trop chiffonnée. Je vais peut-être le trouver, moi, comme ça, l'homme de ma vie. C'est vrai, moins on s'y attend, plus on a de chance de le trouver. Je vais vous dire, depuis le temps que je m'y attends pas, je comprends pas qu'il soit pas encore là. Parce que tous les jours, pour le faire venir, je me dis, je m'y attends pas, je m'y attends pas, je m'y attends pas.
Remarquez, si lui, il fait pareil de son côté, je m'y attends pas, je m'y attends pas, je m'y attends pas. Si personne s'y attend, il va pas se passer grand-chose. Non, si ça se trouve, l'homme de ma vie, il habite l'Antarctique. Ou une île inconnue au bout du monde. Moi, ça m'irait bien en Antarctique, quoi. De toute façon, si c'est l'homme de votre vie, on s'adapte. Qu'il soit de n'importe où. Enfin, de n'importe où. Pygmée, je suis pas sûre. J'ai rien contre, mais c'est un coup à me retrouver en train de mijoter dans une marmite. Je veux bien passer à la casserole, mais pas avec des flammes dessous. Non, l'Antarctiquois, ce serait mieux. En tout cas, le prochain, je sais pas où il est, mais je sais pas pourquoi. Je suis sûre que ce sera un coup de foudre. Nos regards se croiseront, on restera tétanisés, nos cœurs battront la charade, la chamade. Le ciel se zébrera d'éclairs, un coup de tonnerre tintinabulera et du lointain montera une petite musique comme une musique de film. Ouh, 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 Mom Scarlett, Mom Scarlett. Ouh, ouh. Je vais pas bien, moi. Bon. Allez, en attendant que l'autre sorte de son igloo et traverse le pôle Nord avec ses raquettes aux pieds pour venir me foudroyer, peut-être le temps de m'occuper de mon dîner, moi. Alors, j'ai toujours deux assiettes. Je vais commander. Je vais commander. Je connais un petit traiteur chinois juste en face de mon ancien appartement. Je vais commander. Par contre, comment il s'appelle déjà, je sais plus. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquette. Ah, vous aussi, vous avez ça? C'est super, ce truc. J'en suis très contente. Ça fait tout. Ça fait calculatrice, je peux envoyer des emails, ça fait bloc-notes, agenda. J'ai tous les fuseaux horaires là-dessus. Par exemple, si j'appuie sur un bouton, je peux savoir quelle heure il est dans l'Antarctique. Ça me sert pas encore, mais bon. Et alors, surtout, j'ai 700 noms, 700 adresses et 700 téléphones de rentrer là-dedans. J'en suis très contente. Un tout petit souci de rien du tout. J'ai dû faire une mauvaise manip, parce que quoi que je cherche, je tombe sur le convertisseur en euros. Il est bloqué là-dessus. Heureusement que j'ai eu le réflexe de courir après le camion poubelle pour récupérer mon carnet d'adresses en papier que j'avais jeté. Alors, le petit traiteur, le petit traiteur, le petit traiteur. Non, peut-être raté comme traiteur. Non, ça aurait été trop logique. À N comme nourriture. Non plus. À G comme gourdasse. Ça, c'est pas le traiteur, c'est moi. Bon, ça tombe bien, j'ai que ça à faire. On va tout reprendre à zéro. Alors, il n'est pas dans les A. B, Bernier, Boyer, Bernachon, Bruel. Très sympa, Patrick, mais il sait pas cuisiner. Pour ça qu'il est pas marié. Dépannage télé, dépannage lave-vaisselle, dépannage lave-linge, dépannage lave... J'aurais peut-être gagné de la place en mettant tout à Darty. Élysée. J'ai le numéro de l'Élysée. Si ça se trouve, Bernadette et Jacques ont fait un grand dîner il y a pas longtemps. Ils ont un vieux reste de rôti de porc. Moi, je récupère mes nouilles dans tout ça et je fais un bon rôti de porc aux nouilles. Je les appelle? Non, j'ose pas. Les Chirac, ils doivent jamais faire leurs courses eux-mêmes. Ben non, c'est normal, lui, il est président. Président. J'aimerais pas avoir un camembert à mon nom. Bon, allez, le traiteur, on l'oublie, le traiteur. Après tout, je suis pas Bocuse, mais le traiteur non plus. Je vais faire à manger moi-même. Je prends ma crémaillère, je passe pas une audition pour la Tour d'Argent. Bon, la cuisine, elle est là. C'est pas à peine que je fasse le déplacement. Elle a pas dû s'installer toute seule. Par contre, ce serait peut-être bien que je retrouve mon carton de bouffe. Allez, est-ce que ce sera ça? On va dire la bouffe. Ah! Des fleurs séchées. J'ai pas de four, j'ai pas de gruyère, je peux même pas leur faire un gratin de fleurs. Ma bouffe, elle serait où, ma bouffe? Ah, voilà ma bouffe. Ah oui, d'accord. Alors, en entrée, je peux leur faire un petit verre d'huile.
en plat une assiette de farine, en dessert des morceaux de sucre. Et s'il y en a qui veulent des cafés, je leur filerai une petite tasse de vinaigre. Je vais peut-être essayer de retrouver mon traiteur. Par contre, j'ai trouvé mon tire-bouchon. Tout n'est pas point perdu. Ce traiteur, j'aurais dû le coller à I comme introuvable. I. Isabelle. Je connais 4 Isabelles, moi. Non, c'est la même. Ça doit être pour ça que je l'appelle 4 fois par jour. J'ai dû vouloir me dire quelque chose, mais alors quoi? Je chercherai une autre fois. J. Jacques Nicholson. J'ai pas dit Jack Nicholson, j'ai dit Jacques Nicholson. Il est pas acteur à Hollywood, il est prof de sciences natage. Elle. Pas possible, je connais personne en elle, moi. Enfin, tout prix que je pense à rencontrer des gens en elle. Les frères Lumière. D'accord. Ils ont tout cumulé sur le même mec et me l'ont mis juste au-dessus de chez moi. Je l'ai pas entendu cette nuit parce qu'il est gardien de nuit avec son pitbull. Alors lui, je sais pas s'il est dans les L, mais moi je le mets dans les T. À T comme tu déménages quand tu veux. Bon, j'en étais où de mon traiteur? À la lettre M. Mimi Mati. C'est moi, ça, très utile, c'est sûr, je m'appelle tous les jours. M. Hein? Ma méduse. La revoilà. Non, en fait, j'ai toujours son numéro, mais je l'appelle plus. Sauf la nuit, des fois, quand je sais que son portable est coupé. Alors, je fais son numéro et j'écoute sa messagerie. Alors, il dit, bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Méduse. Laissez un message. Non, en fait, il dit pas ça, mais si je prononce son vrai prénom, ça, je vais éclater en sanglots. Alors, bon, allez, ce traiteur chinois... Comment ça s'appelle, un traiteur chinois? C'est facile, pourtant. Un traiteur chinois, ça s'appelle... Au nem de Pékin. Non, c'est pas ça, mais c'est un truc comme ça. Au délice d'Orient. Non, mais je suis sûre que je suis... Attends, j'en étais à quelle lettre? M-N-O... À la bonne paella. Non, parce que... En fait, sa spécialité, c'est ça, c'est la paella. Et ben voilà, paella, pour un traiteur chinois, logique. La prochaine fois, je vais le mettre à toutes les pages, comme ça, je pourrais me le procurer promptement, ce putain de pékinois. Alors... 0, 1, 40, 16, 14, 21. Allô, bonjour, je suis bien à la bonne paella? Oui. Monsieur Bendik, il est là au chouchoun? Oui. Bon, bonjour, c'est Mimi Mati. Oui, Mimi Kashi, oui. Je voudrais vous commander... D'accord, je patiente, mais pas longtemps, parce que je suis très très pressée. Hein. Faites vite. Ok, j'attends. 3 ans, j'ai habité 3 ans en face de chez lui, il a jamais pu se rentrer mon nom. Hein. Oh, mais c'est notre petite Mini Caché qui vient commander un petit dîner pour son petit repas de ce soir. Vous savez, j'ai vu votre petit film hier sur ma petite télé. Je sais pas pourquoi, dès que je rentre dans sa boutique, tout devient petit. Allô? Remarquez, c'est pas le seul. L'autre jour, j'arrive sur un parking avec mon gros 4x4 noir. Et ben le gardien, pareil. Ah, mais c'est notre petite Nini Marty, là. J'ai trouvé une petite place pour sa petite bagnole. Oui. Puis quand je reviendrai, j'ouvrirai ma petite portière avec mes petites clés, je monterai dans ma petite voiture, je rentrerai dans ma petite maison, je m'installerai sur mon petit canapé, j'attraperai mon petit téléphone et j'appellerai mon petit fiancé. Ah, et qui c'est mon petit fiancé? Eh ben tiens, pendant qu'on y est, c'est le chef de Schtroumpf. Si quelqu'un m'entend, est-ce qu'il peut prendre l'appareil? Monsieur Bendigla, chouchounou! Oui, je suis toujours là. Je voudrais vous commander une paella pour 4 personnes. Non, pas pour demain, pour ce soir, tout de suite. Comment ça vous fermez ce soir? Qu'est-ce qui vous reste alors?
Une choucroute. Une choucroute. Attendez, vous mettez quoi dans votre choucroute? Ah oui, d'accord, comme dans une choucroute, quoi. Ah oui, non, ok, c'est une choucroute au Nyokman. 22, quoi 22? C'est une choucroute pour 22 personnes? Ben, y a pas de problème, nous, on est que 4, alors c'est... Ah, c'est 22 ou rien? Ah ben, c'est 22. Pas grave, il m'en restera un peu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait ma petite semaine alsacienne, là. Et comme boisson, qu'est-ce qu'il vous reste, monsieur Chouchou? Une canette de bière? Aider? Oula, attendez. Aider? Wangshu Longshang? J'ai pas bien compris, là. Des? Wangshu Longshang? On parle bien d'une boisson, là? Oui, bah écoutez, mettez-en, on improvisera. Voilà. Non, attendez, ne raccrochez pas, faut que je vous donne ma nouvelle adresse. Oui, ma nouvelle petite adresse. Alors, c'est 22 rue du Cadran, dans le 9e. Vous pouvez pas la louper, c'est une toute petite rue. Vous pourrez la prendre facilement avec votre petit scooter. 19h30, parfait. Ah, dites, monsieur Chanchon, est-ce que vous pourrez me laisser votre grand fétou? Parce que moi, pour 22, j'ai pas de plat assez grand. Hein. J'avais bien un, mais je leur ai demandé de me le casser. Enfin, je sais pas. D'accord, bah, à tout à l'heure. Merci, au revoir, monsieur Nunuche. Vous inquiétez pas, je sais recevoir. Hein. Je vais pas faire une crémaillère avec une canette de bière et des Wangshu Longshang. Non, j'ai quelque part dans tout ce bazar une caisse de Pomerol 89. Enfin, j'ai. Normalement, si les frères Lanterne me l'ont pas sifflé. Bon, allez, mes verres et mes couverts. Plouf, plouf, ce sera toi le carton des verres et des coups. Vert. Et si c'est pas toi, je vais tout annuler. Cette crémaillère commence à me gonfler. Ah, mes vases. À une époque, je me suis équipée. Je pensais que ma méduse allait me couvrir de fleurs. Ils ont bien servi. Hein. Un bouquet en 4 ans. Ça, pour ce qui est des vases, on peut pas dire que je les use. Hein. Allez, remettre ça. S'ils sont pas là non plus, je commence à en avoir plein le... Oh, super! Je vais mettre ça sur la table. J'adore les bougies. Je trouve que ça donne une ambiance tamisée, propice à une choucroute au New Yorkman pour 22 personnes. J'ai tous les parfums bougies. Hein. Bon, sauf la forêt que j'ai laissée avec l'autre marque à Saint-Creville. Et en parlant de bougie, je la retiens, Sandrine. Ça, c'est de la copine. Elle m'avait dit, oh, si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, elle est très 16e, Sandrine. Hein. Donc elle me dit, si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, va faire brûler des cierges, il paraît que ça marche bien. Je voyais une église, je rentrais dedans. J'avais pris un bon rythme. 10 balles, un cierge, mon vœu. Toujours le même. Au bout d'un mois, toujours rien. Sandrine me dit, ma chérie, t'es trop radin, mets 20 balles et change de sein. Vingt balles, pour l'homme de ma vie, moi je viens donner tout ce que j'ai. Mais quant au sein, savoir quel est le plus efficace. J'avais déjà fait tous les Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Christophe, tous les connus. En fait, il m'en fallait un moins médiatisé, mais qui obtiennent quand même de bons résultats, et qui soient pas trop débordés, et qui s'occupent que de moi. Bref, il me fallait un saint débutant. Introuvable. Pas vu, pas connu, pas de statut. Bon, Marie, je voulais pas l'embêter avec ça. Elle est déjà assez contrariée de pas avoir une fille. Alors, pour l'homme de ma vie, j'ai décidé de m'adresser carrément à Dieu. Parce que Dieu, faut pas se laisser impressionner plus que ça. Dieu, en fait... C'est un peu comme un grand réalisateur. Tout ça, ça ressemble au cinéma. Les curés de campagne, c'est les figurants. Ils rament, mais ils tiennent le coup. Les autres, là, qui ont les grandes robes rouges et violettes, c'est les seconds rôles, mais on en a besoin pour croire au film. Et le premier rôle, c'est le pape, Jean-Paul. Lui, il a carré cité son texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. En même temps, le grand réalisateur, j'étais pas trop sûre de lui.
Parce que franchement, entre nous, s'il réussit les histoires d'amour comme il réussit la paix dans le monde, je me demande si je préfère pas rester toute seule. Hein. On va faire brûler des cierges. C'est pas des cierges que j'aurais dû faire brûler, c'est une église entière. Moi, l'église en feu, j'aurais plus de chances de le rencontrer, l'homme de ma vie. Hein. Imaginez, l'église en feu. Vous avez le SAMU avec les infirmiers, des pompiers, des policiers, des camions entiers de mecs qui déboulent, des malabars taillés comme des dieux grecs et vas-y que je te cours après, que je t'attrape, que je te plotte, que je te fous sur mon épaule et... Oh, c'est mieux, non? Oh oui, c'est mieux, hein, c'est mieux. Mais bon, c'est plus risqué. Hein, je vais pas bien, moi, je suis en train de vous faire une conférence de presse sur 3 bougies. Allez, hop, on se remet au boulot. Allez, mes verres et mes couverts. Hop là. Oh bah, c'est pas là-dedans que je vais les trouver. Ça, je sais même pas pourquoi je le garde. Je suis sûre que vous aussi, vous gardez des trucs dont vous vous servez jamais. Parce qu'avant le déménagement, on se dit « ça, je l'emporte pas ». Et après le déménagement, on se dit « ça, je sais pas pourquoi je l'ai emporté ». Je vais vous dire pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça parce qu'on se dit tous la même chose. On se dit « je le garde », on ne sait jamais, ça peut... Je suis une spécialiste de ça, moi. J'ai un sweat que mes frangines m'ont offert pour mes 12 ans. Non pas que j'ai beaucoup grandi, c'est pas ça. Hein. Mais il est immétable, ce sweat. Parce que ma femme de ménage repasse très bien, très bien. Mais un peu toujours au même endroit. C'est-à-dire que j'ai un fer à repasser en plein milieu du sweat. Avec les petites trompes pour la vapeur. Eh ben, ce sweat avant le déménagement, je suis restée 1 heure devant. Qu'est-ce que je fais? Je le jette. Ah, non, je le donne. Non, je le garde. Non. Bon, finalement, j'ai pris sur moi et j'ai réussi à le jeter. Jamais. Un bon conseil, jamais. Ne jetez jamais un truc inutile. Vous ne pensez qu'à ça. Ça vous mine, ça vous bouffe, ça vous ronge. Il est là le jour, la nuit, les yeux ouverts, les yeux fermés. Il vous hante. Vous ne mangez plus. Ou vous mangez trop. Vous mangez trop surtout. C'est un vide insupportable. Un seul pull vous manque et votre placard est dépeuplé. Dites-vous que tout bien réfléchi, tout bien pesé, et je sais de quoi je parle, c'est moins pire de garder un truc inutile que de regretter à vie de l'avoir jeté. Là, je voudrais en profiter pour rendre un hommage appuyé aux éboueurs de mon ancien quartier. Quand ils vidaient les poubelles de mon immeuble, avant de repartir, ils attendaient toujours 5 minutes, au cas où. Au cas où, c'est moi. Donc, ils bloquaient toute la rue. Moi, j'avais mon signal. Dès que j'entendais les klaxons et les insultes qui vont avec, je descendais. Et j'ai sauvé plein de trucs comme ça. Dont mon sweat. J'espère que les éboueurs de ce quartier seront aussi sympas. Oh là là, on est bien peu de choses, tiens. Allez, je vais ranger ça là. Ah oui, alors vous, vous diriez qu'il y a quoi là-dedans? Je vais peut-être vous aider un petit peu quand même. Alors, attends, je vais vous donner un indice. On dit n'importe quoi, regardez. Une méduse? Ah non, c'est pas des méduses. J'ai pas regardé un carton de méduse. Non, j'étais... Attends, non. Un accordéon. Hein? Un accordéon. Un accordéon. C'est de mieux en mieux. Vous êtes sous l'exomil, là, ou quoi, là? Méduse, un accordéon. On me l'avait encore jamais fait, celle-là. Un accordéon. Non, ça, c'est quoi? Un 3. Oui, c'est un 3, 33, donc c'est des... Des médicaments. C'est pas des bières, non. 33, c'est des disques. Voilà, c'est
33 tours. C'est mes vinyles. C'est mes bons vieux vinyles que j'ai gardés. J'ai raison, non? Ça fait 10 ans que j'ai plus d'électrophone. Marc, il doit y avoir des trucs là-dedans. Oh! Bardot. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Il y en a une que j'adore là-dedans. Ce soir, je te préviens, on déménage ce... Non, j'aime pas. J'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, Hugo Frey. Super dansant, Hugo Frey. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? On va arrêter celle-là, elle va me filer le cafard. Pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? Parce qu'il faut être deux. Eh, je t'en pose des questions, moi. Il m'énerve, ce Hugo Frey, quand il se mêle de ma vie privée. Bon, y a pas des trucs plus gays, ça? Oh si, ça c'est génial. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie. Je sens bien qu'il se méfie. J'aime bien ça. Ça c'est super. Et mon père, ça fait longtemps qu'il se méfie plus. Hein. Il serait même très content pour moi qu'on m'emprunte. Sauf que jusqu'à présent, tous ceux qui m'ont emprunté, ils m'ont rendu. Et ceux qui voulaient me garder, c'est un tout petit pourcentage au niveau de mes statistiques, ceux qui voulaient me garder, il n'y en a pas eu. Je me demande si j'ai pas un problème avec les mecs, moi. Parce que d'un côté, ils me disent « Je t'adore, on s'entend divinement bien, mais je te quitte, je veux pas te faire de mal. » Ils ont raison, quand on est quitté, ça fait même pas mal. Oh, tu me quittes? Oh, oh, la super bonne nouvelle. Tu m'en veux pas, je te laisse, là, je vous fais une petite dépression. Non, on est d'accord, les filles, quand on est quitté, on pleure toutes. Bah oui, pas besoin de mesurer 1m32 pour ça. Et, à la limite, j'ai un avantage sur vous. Je suis plus petite, je contiens moins de larmes, je pleure moins longtemps. Et moi, je sais pourquoi ils nous quittent. C'est parce qu'ils ont la trouille qu'on les demande en mariage. Je vais vous dire, à la vitesse à laquelle ils me quittent, j'ai pas le temps de leur demander grand-chose. Hein. Ceux qui me quittent pas, parce qu'il y en a quand même, hein, ceux qui me quittent pas, c'est qu'on n'a pas été ensemble. Alors ceux-là, ils me veulent directement comme ami, mais sans passer par la case crac-crac. Alors j'ai droit au refrain. Oui, je t'adore, bien sûr que j'ai envie de toi. T'es sain, mais si on couchait ensemble, ça gâcherait notre complicité. Je ne veux pas te perdre, je veux te garder comme ami. Je ne veux pas te faire de mal, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Crétin, avant de penser à me faire du mal, pense à me faire du bien. De toute façon, ceux-là, si ça se trouve, c'est moi qui les quitterai en premier. Quoique, moi, j'ai quand même plutôt tendance à quitter en deuxième. Il y en a un qui m'a quitté. Quatre qui m'ont quitté, soi-disant que j'étais trop jalouse. Alors que s'il y a un truc que je suis pas, moi, c'est bien jalouse. Enfin, si, comme toutes les filles, quoi. Quand je suis avec un homme que j'aime, je m'intéresse au contact féminin qu'il peut avoir. Ça s'appelle pas être jalouse, ça s'appelle s'intéresser au contact féminin. Non, c'est vraiment une question d'interprétation, parce que en plus, moi, je la joue plutôt subtile et élégante. Si je dis à un homme, qui c'est cette femme boudinée dans sa robe trop courte, qui te regarde comme un merlan depuis le début de la soirée, si elle continue, elle va s'en prendre deux dans sa tronche siliconée. Bien sûr, on peut interpréter ça comme de la jalousie. Moi, je maintiens que c'est une façon de s'intéresser. Sur les quatre, il y en a un qui m'a fait tout un pataquès pour une enveloppe parfumée qui lui était adressée. Soi-disant que ma jalousie allait trop loin. Bon, je reconnais qu'elle était un peu ouverte, cette enveloppe, et un peu recollée avec du scotch. Mais là, c'est le hasard complet qui avait joué contre moi.
Je m'étais fait un thé dans une des 76 théières de ma collection et la théière fumait. Bon, si la théière fume, j'y suis pour quelque chose. C'est de la jalousie, ça. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais à un moment, l'enveloppe est passée au-dessus. Et allez savoir, le thé, la chaleur, le sucrier, ou peut-être tout simplement la vapeur, c'est vrai que l'enveloppe s'est ouverte. La vapeur, c'est de la jalousie. Bon, de bonne foi, pensant que c'était mon relevé bancaire. C'est vrai que j'ai lu la lettre, je l'ai même relue 3 fois. J'ai bien vu qu'elle m'était pas adressée, hein. Je suis pas toc-toc. Donc, pour réparer mon étourderie, après avoir bien sûr noté quand même le numéro de l'autre pétasse au jasmin, c'est vrai que j'ai recollé l'enveloppe avec du scotch. Le scotch, c'est de la jalousie? Non, non, c'est une énorme erreur. Franchement, les hommes sont injustes. Ils sont d'une mauvaise foi. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans qui parle pas des mecs? Ah, ça, génial. 1, 2, 3, 4, get up! Sex machine, ta-ga-da-da-da. Sex machine, ta-ga-da-da-da. Sex machine, sex. Ça parle pas des mecs, mais ça y fait bien penser quand même, hein. Non. En fait, ce qu'il faut avec les hommes, c'est trouver le bon. Comment on dit déjà? Attends. Oui, trouver le couvercle qui va avec le pot. Ou le capuchon qui va avec le stylo. Pourtant, j'en ai essayé, moi, des capuchons. Hein. Surtout la nuit dernière. Non, non, c'est pas... J'en ai eu un de mec. J'en ai eu un, c'était genre Bruce Willis. Mais alors, il avait qu'un truc d'Hollywood, c'était le chewing-gum. Toute la journée. Mes copines me disaient, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme boucan? Après, ah oui, le suivant, il ressemblait à Jacques Bernaudet. Cherchez pas, il n'est pas connu. Hein. Alors lui, il était allergique au coton. Je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai beaucoup de trucs en coton. Jacques Bernaudet dans une maison, cadeau. Il se mettait à la fenêtre, rideau en coton. On regardait la télé sur mon canapé en coton. J'avais l'impression qu'il y avait des insectes dans tous les films. Et alors au lit, je vous en parle même pas. Mes draps, ils sont pas en osier, ils sont en coton. Toute la nuit. Pratique pour les câlins. Oh, heureusement, lui, il m'a quitté au bout d'1 an. Moi, un jour, il se sentait pas de les fêter, nos noces de coton. Moi non plus, faut dire que je sortais juste de mes noces de chewing-gum. Alors après, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, le sosie d'Elton John. Tout pareil, mon fiancé. Avec lui, je m'entendais bien, on avait les mêmes goûts. Surtout pour les mecs. Il me plaisait vraiment, hein, mais rien à faire. Quelqu'un qui veut pas faire du vélo, tu peux pas l'obliger à monter dessus. Hein. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, après, il y a eu ma méduse. Alors lui, il ressemblait à lui. Il était libre, drôle, beau, tendre, timide. Il avait un chien. Les 3 premiers mois, j'ai vécu un rêve. Les 34 mois suivants, l'horreur. Parce qu'en fait, de libre et timide, il était menteur et avec quelqu'un. Enfin, avec quelqu'un. Avec quelques-unes. À mon avis, pour ses plannings, il faisait ça sur ordinateur, avec un logiciel spécial, je me fous de ta gueule. Parce qu'on était 4 en même temps. C'est là que je me suis mise au yoga. Et j'ai perdu 7 kilos en 1 mois. J'ouvrais le frigo pour prendre un yaourt. Je fondais en larmes, parce que le dernier yaourt que j'avais mangé, c'était avec lui. J'éclatais en sanglots sur le gratin dauphinois de ma mère. Elle comprenait pas. Hein. Elle pouvait pas savoir que le gratin, c'était son plat préféré. Et alors le pire, c'était les cacahuètes pour l'apéro. Je pouvais plus. Ça me rappelait trop les croquettes du chien. Oh, j'ai morflé. J'ai vraiment morflé. Je sais pas comment vont les 3 autres, mais alors moi... Ouf. Mais bon, là, ça y est, ça va mieux. Hein. Ouf. C'est vrai, à un moment, c'est bien dans la vie quand on sent qu'on avance. Ouf. On sent que tout ça, c'est derrière soi. Ah, c'est derrière soi. C'est
derrière, soit. C'est quand même un tout petit peu devant. Excusez-moi, monsieur, depuis le début du spectacle, j'ai beaucoup de mal à vous regarder parce qu'il avait le même costume que vous. Ça vous ennuierait pas de l'enlever ou de changer de place? Non, laissez, je vais prendre sur moi. Par contre, vous m'en voulez pas si je vous regarde pas jusqu'à la fin du spectacle. Au moins la veste. Non, c'est bon. Non, je vais gérer. De toute façon, il est même pas beau ce costume. Allez, on se reconcentre. Mes verres et mes couverts. Bon, c'est pour être donc que je vais les trouver. À une époque, je crois que c'était après Bruce Willis, pour me changer les idées, je faisais des jeux concours. C'est-à-dire, dès que je voyais un bulletin de participation sur une boîte, sur un journal, ça, je découpais et j'envoyais. Parce que si t'es tiré au sort, tu peux gagner plein de trucs super. Tu peux gagner des voyages, des maisons, des bijoux, des voitures, plein de trucs qui font rêver. Je les ai tous faits, les jeux concours. Triscotte, Obao, Nutella, Régilet, Uncle Ben, tous. Je n'ai jamais rien gagné, sauf un jour, avec une marque, j'ai gagné le dernier prix. C'était un an du produit. Tel que vous me voyez là, j'ai gagné un an d'Arpic WC. Ils m'ont livré ça, il va y avoir 2 ans, et il m'en reste. Je sais pas comment ils calculent les doses chez Arpic, mais bon, même en comptant l'espérance de vie, allez, admettons, jeune qu'allemand, moins 20, il nous reste 103 ans, je serai morte, il m'en restera encore. À mon enterrement, s'il n'y a pas de gerbe, on pourra toujours mettre des flacons d'Arpic. Ils vont être contents, mes héritiers. Qu'est-ce que vous alléguez, tata Mimi? Du produit WC? C'est classe. Et des fois, quand je suis invitée, je fais un beau paquet cadeau, ça fait toujours plaisir. Et ma copine Sandrine, vous rappelez Sandrine? Elle a cru que c'était une lampe berger. Elle l'a posée dans son salon art déco, elle a mis une mèche dedans, quand elle reçoit, elle l'allume. Attends, qu'est-ce que je lui avais offert à Sandrine déjà? Ah oui, Arpic désert. C'est désert, c'est très agréable, c'est un petit peu comme une odeur de sable, c'est très agréable, hein, vraiment. Mais en même temps, quand on arrive chez Sandrine, on a quand même l'impression d'entrer dans un immense chiotte de 80 mètres carrés. Une lampe berger. Elle est toc-toc. Deux solutions, ou il fait des travaux, ou il s'attaque les trous de nez à la perceuse. À mon avis, il faut qu'il finisse, on va avoir droit au marteau. Bah vas-y, Béton, enfonce-le ton clou, il y a simplement 700 personnes qui attendent. Non, si ça se trouve, il est en train de faire un trou dans le plancher pour me mater. Vous croyez que c'est ça? Je vais essayer de repérer le trou. Je vais feinter. Voilà, comme ça, il ne peut plus me voir. C'est bien ma veine, je suis tombée sur un voyeur sadique. Faut surtout que je reste naturelle. Oh, Caroline, t'as raison, il fait chaud. Oui, je suis très bien dans ce nouvel immeuble. Le voisin du dessus a l'air très bien sympa. J'espère le croiser bientôt dans les escaliers. Excuse-moi, Caroline, on m'appelle au téléphone. Allô, c'est monsieur? Papa?
pourquoi je t'appelle monsieur? Parce que t'es pas une dame. Oui, je parle doucement parce que je veux pas parler fort. Je suis nouvelle dans l'immeuble, je veux pas me faire remarquer. Bon, papa, tu m'en veux pas, il faut que je raccroche, mes amis vont arriver. Papa, tu me raconteras ça plus tard. Ding dong! Tu vois, voilà mes amis, je raccroche. Je vais peut-être quand même aller vérifier si ma porte est bien fermée. J'ai trouvé ça sous la porte. Pardon pour le bruit de la perceuse, je n'avais pas vu l'heure. Je finirai d'installer mes étagères demain en espérant ne pas vous déranger, votre voisin du dessus. On a l'air fines toutes les deux. Pour un violeur sadique, il est drôlement bien élevé. Non mais ça c'est la faute de mon père. À force de me voir attaqué par tout le monde, il a fini par me refiler sa maladie. Drôlement bien élevé, mais alors dis donc... Au niveau de l'écriture, je suis pas graphonologue, là, mais ça, c'est un gars qui aime les animaux. Les volatiles, en tout cas. Parce qu'au niveau pattes de mouche, je n'avais pas vu l'heure. C'est sûr que s'il éternue devant sa pendule, il doit plus voir grand-chose dessus. Hein. Moi, par contre, je la vois bien, l'heure. Et si je me dépêche pas, je vais jamais être prête. Alors, qu'est-ce qui me manque? Mais, ma plante? Où est-ce qu'ils m'ont foutu ma plante? Ah non, j'espère qu'ils ne me l'ont pas oubliée, ça fait des années que je la bichonne. Oh non, pas ça. Non, ça va, elle est là, intacte. Ouf. Ouf. Je la mets là parce qu'il faut beaucoup de lumière. C'est ça qui l'a fait tenir. Puis je lui parle aussi. Elle est très sensible au son. Et elle adore la musique. Oh merde, avec l'autre au-dessus. Bon, on va être solidaires, hein, toutes les deux. Tu gardes tes feuilles, puis moi je garde mon calme. T'as eu peur, hein? C'est rien, c'est le voisin. Dès qu'il ouvre la bouche, il fait « Ah, tiens !» J'espère que c'est une grippe, parce que si c'est un rhume des foins, on en a au moins pour 3 mois. Pour que ce soit pas une allergie à mon yucca. Ah non, parce que moi, il est hors de question que je m'en débarrasse de mon yucca. Par contre, je me débarrasserai bien du voisin du dessus. Bon, allez, dis, je vais peut-être pas te laisser là, toi. Tu vas aller vers la pépette. Allez, on va coller la plante vers la pépette. Et pendant ce temps, maman, elle va se faire un petit point-point. Alors, qu'est-ce qui roule? À part ma choucroute qui se balade dans Paris, qu'est-ce qui roule? Rien. Qu'est-ce qui me manque? Tout. Voilà, comme ça, au moins, je sais où j'en suis. Alors. Oh, Moustaki. Non, j'ai pas le temps. C'est le disque où il y a le facteur. Vous connaissez le petit facteur est mort? Vous connaissez pas le petit facteur est mort? C'est une chanson qu'on chantait dans tous les repas de famille avec mes frangines. Alors ça fait... Là j'ai peut-être pris un peu haut, ça faisait un peu corne de brume. Hein. Mais normalement c'est joli. Et alors après il y a un superbe texte. Le petit facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Tout est fini pour nous deux maintenant. Et après, on passe au refrain. Alors, le refrain, ça faisait... Il n'ira plus sur les chemins. Ouh, ça, c'est mes sœurs qui le faisaient. Bordé de roses et de jasmin. Ouh, ça, c'est mes parents. Qui mène jusqu'à ta maison. Mes sœurs, oh, mes parents, mes sœurs, mes parents, mes sœurs, mes parents. Enfin, regarde. En fait, on le chantait un petit peu en canon. Enfin, en canon. Oh, 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 oh. Bah, il passe, mon portable. Oh, super. Allô? Allô?
J'entends rien, là. Et là, est-ce que c'est mieux, là? Caro? Je crois que c'est Caro. Caro, je suis chez moi, comme chez toi. Mais chez moi. Attends. Téléphone maison. Attends. Raccroche, je te rappelle. Raccroche. Et je sais pas pourquoi ça sonne, hein, parce qu'une fois qu'on décroche, ça passe jamais. Ça m'énerve, ces portables. 01 44 53 99 27. Voilà. Ouh. Caro? Oui, là ça va, je t'entends mieux. Oui, oui. Oui, oui, ça va, je m'en sors, oui. J'ai pris un peu de retard parce que les voisins arrêtent pas de me parler, mais... Comment ça, vous venez de partir? Déjà? Ah bah si, venez. Venez, mais comment dire? Roulez pas trop vite. Ce sera un tout petit peu camping, hein. D'accord, ok. Bon bah, à tout de suite. Ok, j'ai 5 minutes pour mettre ma table. Top départ. Ça ira, ça ira. Je sais pas vous, mais moi la choucroute, je la sers au milieu. Bon, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Mes verres. Je panique là. Ça ne se voit pas, mais je panique. Ça va toi? Tu gardes tes feuilles, moi je garde mon calme. Ok. Alors mes verres. Allez, j'ai une idée. De toute façon, c'est des gros buveurs. Allez, hop. Un verre à eau, un verre à vin, ça va prendre trop de place. Je vais mettre un verre chacun. Voilà. Eh, franchement, si on sait pas que c'est des vases, hein, on pense que c'est des grands verres. En forme de vase, quand même, hein, c'est pas... Bon, mon pomerol, il serait... Si c'était dans ce carton, ce serait génial. Gagné ! Mon pomerol. Super, je vais pouvoir l'ouvrir un peu à l'avance. Parce que le pomerol, c'est bien, faut le laisser décanter. Là, il va bien décanter au moins 3 minutes. Allez, hop. Mince, comme je connais mes copains, ils vont apporter du champagne. Le champagne, on le boira dans les théières, à la marocaine. Bon, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Les couverts. Non, j'ai plus le temps, là. J'ai plus le temps. Oh, j'ai une idée. C'est en train de virer marocain, cette soirée choucroute, parce qu'on va manger avec les doigts. Pas besoin de prévenir mes copains. A priori, ils vont venir avec leurs mains. Par contre, ils vont vouloir des serviettes pour s'essuyer. Les serviettes, elles sont avec mes draps. Les draps, je les ai jamais trouvés, je vais pas les trouver. J'ai une idée. De toute façon, les serviettes, c'est toujours trop petit. Allez, hop. Voilà. Ah ben, quand même. Ça fait quand même une bonne serviette. Mais d'un autre côté, ils pourront ramener les restes. Voilà. Puis c'est assorti à mes verres, je vais faire une belle table à la française. Hop là. Eh, franchement, si on sait pas que c'est des têtes d'oreiller, hein, on pense que c'est des têtes d'oreiller en coton. Il y en a un, il aurait été content ce soir. Voilà, super. Par contre, le vin, je me rends pas compte. 2 bouteilles, ça suffit. Faut que je teste. Franchement, si je cherche l'équivalent d'un verre, ça fait radin. Hein. Sans parler de remplir à ras-bord, parce que c'est pas pratique pour boire. Non, mais c'est un coup à prendre. Cher un verre, cher une bouteille. Voilà, il va bien décanter mon pomerol dans l'aquarium, là. Hop là. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Oh, bah oui, il y a ça aussi. Indispensable, les condiments. Eh bah super. Bon, je vais appeler Ben Chouchou, savoir où il en est avec ma choucroute. Alors, je sais, il est à P. Pas là. Voilà, 06, 09, 67, 32, 23. Ça sonne toujours, ça sonne encore. Il y a une coutume qui consiste à décrocher chez nous quand ça sonne. D'un autre côté, sur son petit scooter, avec sa grosse gamelle dans une main, son petit guidon dans l'autre, il va pas décrocher avec les pieds. Hein. Il est traiteur, il travaille pas chez Bouglione. Non, je raccroche, un coup à lui faire avoir un accident. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il a eu un accident. Il a raté son virage avenue Montaigne. La gamelle a valdingué sur la chaussée. Mon chou est collé sur la vitrine de chez Dior. Et c'est le voiturier du Plaza qui s'est pris toutes les saucisses dans la tronche.
Je ne reverrai jamais ma choucroute. Ma crémaillère, elle est foutue, foutue, serait foutue, foutue que jamais. Non, allez, détends-toi, ma vieille, détends-toi. Yoga, yoga, yoga. Non, je connais mon Ben Chouchou. Consciencieux comme il est, s'il n'est pas mort, il fera un détour avec l'ambulance pour m'apporter mon dîner. Ouh. Mais je me fais de ces frayeurs pour rien, moi. Ah. Et ben voilà, tout roule. J'ai ma jolie robe. J'ai mis une jolie table. Mes invités, pour les faire passer à table, j'attends le signal de la choucroute. Et ben voilà. Ah, du coup, moi, je suis en avance. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais appeler mes copains, savoir où ils sont. Ils doivent plus de points. Là. C'est le voisin qui descend pour emmener son chien. Je m'en fais voir la tronche qu'il a. Deux étages, deux plombes. C'est un vrai chamallow, lui. Hein. Ah, ça y est, je vois le chien. C'est pas un pitbull, c'est un labrador. Je sais pas. Je vois la laisse. Je vais bientôt voir Beethoven. Mince, je vois que le dessus. Perdu, il est pas chauve. Il est blond, très 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 foncé, genre brun. Ouais. Fait le tour de l'arbre, il lève la cuisse. Pas le voisin, le chien. Je vais bientôt l'avoir en pleine face. Allez, dégage-toi, dégage. Décale-toi. Allez. Alors ça, c'est incroyable, parce que quand j'ai fait « ouh », il a fait « oh ». Et le chien, il a fait « oh ». Oh, il me regarde, là. Ah ben, oui, montez, si vous voulez. Alors ça, c'est génial. Il joue bien du piano. Il sait tout faire dans une maison. Il est tout le temps malade, je vais pouvoir le soigner. Ça fait comme des cloches dans ma tête. Allô? Papa? Oui, tout va bien, papa chéri. Dis-moi, papa, tu sais si maman a gardé sa robe de mariée? We'll be right back.
bientôt.